Vous êtes spécial. Vous avez fait servir ça. Ils vont te prendre comment? Moi, je te comprends. Or, on est dans une situation maintenant où toi, tu sais que tu as ça. Ça, c'est normal. Mais tu ne sais pas à qui te confier. Or, nous, là, c'est notre travail. Nous, on a entendu, il y a des gens qui ont tué 1732 personnes. 1732, nous, on a délivré ça. 843, on est chaque jour dedans. Or, nous, on fait un travail, on va te délivrer, non seulement te délivrer, mais en même temps, tes enfants seront délivrés. Et puis, tu vas retrouver la paix avec tes enfants, toi-même, ton corps, parce que ça te fatigue. C'est comme drogue, c'est comme folie, ça fatigue. Voilà, donc je suis venu ce matin-là pour t'aider. Parce que si je ne prie pas, si je quitte cette maison, ça fait la troisième fois que je viens ici. Première fois, c'est ça notre troisième fois, non? Première fois, je suis venu. Deuxième fois, je suis venu une fois. La troisième fois. Voilà. Si troisième fois, là, je m'en vais, ça va être grave encore chez toi. Au moins, pour m'avoir là, ce n'est pas tous les jours. Je te me déplace. Les gens viennent de partout pour se faire délivrer. Or, toi, tu peux. Dieu te fait la grâce. C'est la grâce. Je suis venu matin. Tu ne t'attendais pas à moi matin. Je suis venu. C'est la grâce. Voyez ce qu'il est fait. Voyez ce qu'il est fait. C'est tellement simple. Or, les sorciers n'aiment pas ça. Mais je comprends. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu as fait ça, tu ne sais pas comment il va réagir. Or, moi, je ne suis pas venu pour te faire un procès, pour te détruire. Je suis venu pour t'aider. C'est tout. Voici l'esprit dans lequel je suis venu ce matin pour t'aider. Quelquefois, ce qu'ils vont apprendre, moi, ils m'en fichent. Je suis en train d'aider une mère qui est tombée dans une histoire où elle-même, ce n'est pas elle-même, son destin. C'est quelque chose qui s'est posé à elle. La société, ça s'impose à nous. Hein. Depuis le Saint maternel, ça s'impose à toi. T'as tenu rien pour toi. Tu as grandi avec ça. C'est en train de détruire autour de toi. Maintenant, là, c'est ça. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut être à l'église, père sorcier. Moi, je connais pasteur sorcier. J'ai fait des livres des hommes, des pasteurs d'église sont sorciers. Toi, je me suis déplacé. La première fois quand il t'a vu, toi, ta société de Pontaire. J'ai vu ça en toi. C'est une société de Pontaire. C'est très dangereux. Donc, c'est tellement simple. Oh, oui, homme de Dieu, tu es venu, c'est vrai. Voici. En 30 minutes, c'est venu. On prie pour toi. Tu vois pas que les choses ont changé tout de suite. C'est comme s'il y a un seau ici, et puis l'eau est blanche, l'eau, et puis il y a un colorant dans la main. Dès qu'on met le colorant, ça change l'aspect de l'eau. C'est comme ça. Dès que tu vas commencer à parler, ça va changer tout de suite, en quelque temps, l'aspect de ta vie. Parce que non seulement ça, toi-même, là, psychologiquement, là, ça agit sur toi. Ça agit sur toi. Moi, Crasso, c'est le don Dieu m'a donné. Il y a quelqu'un d'entrer dans un village. Vous êtes 1000 sorciers, je vous parle. Et pas m'amuser, vous. Je vous prends, vous êtes 1000 sorciers, je vous prends. Vous êtes 100 000, je vous prends tous les sorciers. Et puis, je vous délivre, je vous tue, je vous délivre. Or, quand j'arrive quelque part, quand la personne ne peut pas changer, c'est la mort. Où on change, où on meurt. Où on laisse la vie de ses enfants vivre tranquillement. Où Dieu nous châtie. On arrive à ce stade. Donc, la vie, tu as ça, non? Tu as ça, non? Hein? Tu as la sorcellerie. Tu es né à ça. Ok. Moi, je suis là pour t'aider. N'est-ce pas? Je t'écoute en 5 minutes. On va prier tout de suite. Ton fils a fait accident quand? Ça fait 4 mois. Comment ça s'est arrangé? Parce que moi, quand je suis rentré ici, là, j'ai vu le mur, tout le mur, là, le sang humain. Tu as donné ton fils en sacrifice comme un bœuf. Donc moi-même, j'étais attristé. Il y a des choses que je ne peux pas venir te dire parce que. Quand moi je vois ta main sale, ton fils te l'a donné comme un bœuf, tu l'as tué en sacrifice. Il y a une de tes filles, tu as programmé. Il y a tout ça, là, je sais que je suis réticent, je vais être doucement. Parce que mon cœur n'est pas fait pour tuer de tous les gens. Moi j'ai un cœur pour aider les gens. Or, il y a des gens, quand ils voient faire des sorcelleries, là, et ils attaquent en même temps. Je ne sais pas les gens. Tu as vu que la première fois que je suis venu, j'étais regardé simplement. Deuxième fois, je lui ai demandé de venir à Divo. Or, il n'y a personne pour t'envoyer à Divo. On ne peut pas te aussi te laisser dans ce genre d'état, tu dis une mère. Il faut qu'on t'aide. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Moi, je voyage. Chaque fois, je prends un vieux, il m'en vient, il prend un vieux. Ok. Aujourd'hui, il faut qu'on vienne sur la maman pour l'aider. Merci. Bien, oui, amen. Je t'écoute. C'est ça mon problème. C'est-à-dire, juste, moi, on parle. Avec moi, on parle. Voyez ce qu'il est fait. Voyez ce qu'il est fait. Voyez ce qu'il est fait. Non. Il n'y a plus de trucs ici. Moi, je prends des gens. Elle-même, elle a la chance. Moi, je prends des choses comme ça, là, devant 1000 personnes qui parlent. Non, je dis que. C'est quoi? C'est plus quelque chose qu'on cache. Elle est malade. On m'a mis au monde, je n'ai pas connu mon père. Non, on a
finir cette histoire. Tu es né à la sorcellerie. On est ici à faire des sorcelleries. Ce n'est pas fait qu'en entier. Ou qu'on est maman ou qu'on est papa. On n'a tout pas envie de faire ça. On dit. Non, laissez à faire de ça. Tu as ça ou tu n'as pas ça. Sorcellerie là-bas. Tu as ça. Ah, mais c'est de ça en train de parler. Sinon, papa est mort, maman n'est pas mort. Ça, c'est pas mon problème. Ils sont morts, ils sont pas morts. Moi, je suis pas là. Je suis venu régler le problème de sorcellerie. C'est ça qui m'intéresse. Tu as ça, non? Ça t'a mené à faire quoi? C'est ça mon problème. Moi, je sais, toi, tu sais. Maintenant, ce que Baye t'a fait pousser à faire, tout que tu as ça comme maladie, ça t'a mené à faire quelque chose. C'est ce que tu dois dire. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, toi, tu représentes Dieu. C'est vrai que tu peux me mettre au monde, mais moi, je suis le représentant de Dieu dans ta maison. C'est moi qui peux maintenant dire à Dieu, ah, elle a fait, mais comme elle a dit, il faut pardonner. C'est comme ça. Or, Dieu ne peut pas descendre du ciel. C'est nous qui l'avons envoyé chez vous. Or, si toi, tu auras cette grâce, l'opportunité, ta vie se complique. Toute fois qu'il te rend une rencontre spirituelle comme ça, qui ne va pas parler là, ça va compliquer les choses. Donc, je t'écoute. Comment tu as tué ton fils à Sidon? Comment tu as fait? Tu sais que son souci n'est pas bon? C'est pas bon. Ok, donc il ne faut pas avoir honte de dénoncer le diable. Le diable, ce qu'il fait, il ne faut pas avoir honte de lui dire ça. Qu'il t'a trompé. Il t'a trompé? Ou bien, il ne t'a pas trompé? Mais il t'a trompé. Il te trompe chaque jour. Maintenant, on veut t'enlever dedans. Nous, on veut t'enlever dedans. Maintenant, c'est à toi de prendre le courage. Tu sais, quand quelqu'un est dans une affaire, puis tu n'as pas le courage de quitter, tu ne peux pas l'aider. C'est une question de courage. Or, le courage doit te pousser à parler. Ce n'est pas moi qui ai de parler. Moi, je sais que tu es dedans. Toi-même, tu reconnais que tu es dedans. Tu es venu tuer ton fils. Le jour où je suis rentré ici, ça m'a fait moi-même, ça m'a fait mal. Ça m'a fait personnellement mal. Ah, ça m'a fait mal. Maintenant, là, il faut dire comment tu as tué ton fils. Tu l'as tué, je suis convaincu. Toi-même, tu sais. Comment tu l'as tué? C'est ça qu'on appelle courage. La vieille. C'est ça qu'on appelle courage. C'est pas facile, mais on dit. Comment tu as fait? Tu allais prendre son âme, tu l'as tué, puis tu l'as fait accident. C'est ça? C'est ça? Je vous demande, la vieille, je vous demande. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais pas, c'est pas là où vient. C'est toi à moi qui on doit aller faire des sorcelleries. C'est toi qui dois aller des sorcelleries. Il dit oui, c'est ça. C'est comme si tu fais pas là, bon. Non, non, c'est ça. Ah, ah. Maintenant, c'est ça là, pour bien expliquer. Faut bien expliquer.